Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, vous savez déjà, moi on ne triche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, c'est respecter la loi des 4S, la loi des 4B, la loi des 6C, la TZL, la 8E, la 3T, la pyramide des 5M et bien d'autres que vous connaissez. Alors, aujourd'hui nous sommes dans une exploitation pour un diagnostic. Cette exploitation qui a été mise sur pied pour certains plans qui date de 6 mois aujourd'hui. Mais à 6 mois, l'évolution n'est vraiment pas au rendez-vous. Et la promotrice bien inquiète pour cela, nous a contacté pour que nous puissions venir sur le site faire un diagnostic afin de déceler c'est quoi le problème. Alors, sur place, nous avons fait ce diagnostic et il en ressort beaucoup de manquements que la promotrice n'a pas pu prendre en compte. Et raison pour laquelle nous tenons de faire cette vidéo afin de partager ces manquements avec vous, que vous puissiez apprendre ces erreurs et que la campagne qui est en cours, que vous puissiez vous en servir pour ne pas vous retrouver dans ces erreurs-là. Car on ne se lance pas dans l'agriculture pour le plaisir de la terre, mais c'est un business. Alors, déjà vous avez constaté que c'est un champ de bananiers plantains. Il n'y a pas plus tard que quelques semaines, quelques jours, nous avons parlé du choix variétal. Mais ici, c'est toujours le fameux problème qui se présente. La promotrice a des variétés ici, mais des variétés toujours qui ne ressemblent à rien, qui ne sont pas rentables économiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est allée localement, elle a sollicité les rejetons auprès des autres producteurs et on a donné des rejetons qu'elle ne maîtrisait pas, ne connaissait pas. Et à ce jour, il y a quelques floraisons, mais qui ne sont pas intéressantes, mais ça ne donne rien d'intéressant. Imaginez-vous, regardez, par exemple, un pied de bananier comme celui-ci. Regardez vraiment ce qui est, quand vous voyez là. Regardez un régime comme celui-ci. ça fait rire, mais vraiment, ça doit faire pleurer normalement. Parce que imaginez-vous d'avoir mis sur pied un plan comme celui-ci, tout le suivi, tout l'entretien, et que vous parvenez à avoir un truc comme celui-ci. Normalement, ça a coupé. Parce que c'est un gaspillage pour le sol. Ça prend des nutriments pour rien. Donc, il est important vraiment de pouvoir vous rassurer une fois de plus de la qualité de la semence que vous achetez à la base. Et de pouvoir vous rassurer qui vous donne ces semences-là. Donc, ça, c'était le premier point, le premier manquement que nous avons constaté sur ce site. Maintenant, nous allons nous diriger vers la parcelle nouvellement créée pour vous présenter encore d'autres manquements observés sur le site. Vous allez pouvoir constater qu'ici, on a des pieds de bananiers plantés un peu partout. Mais, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous allons traverser de l'autre côté pour que vous puissiez davantage voir, en fait, du doigt, ce qu'il y a comme manquement. Ok. Là, on a une parcelle qui date de 6 mois. Vous regardez les bananiers plantains qui datent de 6 mois. Pourquoi est-ce qu'on a cette évolution tardive ici? On peut avancer, hein, pour que vous puissiez voir davantage. Pourquoi est-ce qu'on a cette évolution tardive? Il faut dire qu'ici, c'est une jachère de manioc, et nous savons tous que le manioc épuise énormément le sol. Après que le manioc soit passé sur une parcelle, il faudra laisser se passer le repos donc pendant 3 ans, et pendant ce temps de repos il faut pouvoir apporter des légumineuses pour pouvoir restaurer la fertilité du sol, ou soit pendant la culture du manioc il faudrait faire une association avec l'arachide. Ça fait que pendant la production de manioc, l'arachide vient comme ça équilibrer la fertilité du sol. Mais ce qui n'a pas été fait, ça fait qu'on avait comme précédent culturel le manioc pendant longtemps. Et la promotrice, ne connaissant pas que le manioc épuise énormément le sol, a dû enlever son manioc et directement a mis les pieds de bananes plantains un peu de partout là. Sauf que rien n'avance. Tout stagne. Les plants qui meurent, c'est-à-dire que le sol est hyper, hyper, hyper pauvre. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, en fait, c'est que la promotrice n'a pas pu respecter le calendrier agricole. C'est-à-dire, elle est venue mettre les plants quelques semaines avant la fin des pluies. C'est-à-dire, elle s'est engagée pour la deuxième campagne agricole dans sa zone. Or, dans sa zone, en fait, la deuxième campagne agricole n'est pas très favorable pour la banane plantée parce qu'elle a planté à quelques semaines de la fin des pluies. Ça fait que quand les pluies partaient déjà, les plantes n'étaient pas encore vraiment franchies ou enracinées. Parce qu'il faut dire que la banane plantée est une plante paresseuse, c'est très fragile. Donc les racines ne sont pas pivotantes, elles sont superficielles. Ce qui fait qu'elles ne partent pas en profondeur
pour chercher de l'eau. Donc, elle aurait dû se rassurer de respecter le calendrier agricole. Donc, le calendrier agricole n'a pas été respecté. De deux, elle n'a pas tenu compte de la notion du précédent culturel. Et en trois aussi, il faut dire que le pH n'est déjà pas favorable et propice pour la culture de la banane plantain. Vous pouvez observer, vous voyez un peu partout. Ça, ça ne ressemble pas à un champ de banane plantain. Ce n'est pas gai, ce n'est pas attrayant, c'est pas, ça ne se développe pas très bien. Contrairement à certaines plantations où nous montrons chaque jour au quotidien, où nous avons le suivi et autres. C'est parce qu'à la base, on s'est rassuré de respecter ou de contrôler tous ces paramètres-là. Alors, ceci dit, chers agripreneurs, je vais me répéter, la terre ne trompe pas, ne triche pas avec elle. Elle n'est pas trichée avec elle, c'est faire ce que nous avons dit en début de vidéo. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui voulez vous lancer pour cette campagne agricole, où que vous soyez en Afrique, où que vous soyez dans le monde, il y a des principes de base qu'il faut respecter. Il faut pouvoir connaître votre sol. Il faut pouvoir tenir compte de la notion de précédent culturel. Il faut pouvoir tenir compte de la notion de l'historique du sol avec la culture que vous voulez faire. Il faut pouvoir vous faire accompagner, il faut pouvoir vous faire conseiller. Parce que si la promotion s'était fait conseiller, elle aurait dû éviter ces manquements-ci. Donc, quand on vient sur le site comme ça pour un diagnostic, ça fait mal. Mais on aime bien souvent être au début du processus. Car j'aime souvent dire, il est facile de faire l'agriculture avec de l'argent, mais difficile de se faire l'argent à l'agriculture quand on triche. Le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est l'agripreneur. Le plus important, c'est le conseil, l'accompagnement, les informations qu'il faut pour pouvoir parvenir à une agriculture compétitive, durable, rentable et stable. Alors, toi qui regardes cette vidéo une fois de plus, ne te lance pas pour cette campagne si tu n'es pas sûr d'avoir la semence de bonne qualité. Car, mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Ne te lance pas si tu n'as pas la ressource humaine nécessaire, si tu n'as pas toutes les informations, si tu n'as pas tout l'accompagnement, tous les conseils qu'il faut. Autant mieux prendre tout le temps qu'il faut avant de te lancer. Car le but, c'est de se lancer et de faire carrière. Ce n'est pas juste se lancer et puis deux mois disparaître, non. Il faut pouvoir que vous lancez l'activité agricole et que vous puissiez vous retrouver 10 ans, 20 ans plus tard dans l'activité. Et pour cela, il faut mettre des bonnes bases. Vous voyez qu'ici, en fait, comme on a dit déjà, on a perdu en termes de qualité des semences pour la première génération. C'est-à-dire que tout s'arrête là. Donc, il sera question aussi vraiment d'annuler cette plantation de bananes plantées ainsi. Parce que ce n'est pas déjà propice avec la zone et le sol et tout. Donc vous voyez que, imaginez un investissement qui a été fait comme ça, et quand on vient faire une diagnostic, on dit que non, le sol n'est pas propice, il faut annuler, il faut recommencer, il faut faire autre culture. Ça fait mal, c'est blessant. Alors cela aurait pu être évité si, à la base, un conseil ou une consultation avait été sollicité auprès de nous, ou tout autre cabinet sérieux, ou bien toute autre personne qui fait de l'agriculture de terrain, non celle de bureau. Donc, ce qu'il faut retenir en conclusion chez l'agripreneur, faites-vous conseiller, faites-vous accompagner, ne vous lancez pas par hasard, ne vous lancez pas par suivisme, mais lancez-vous par objectivité. Merci bien, tout en espérant que ces conseils donnés dans cette vidéo vont vous servir et vont vous permettre d'améliorer la conception et la mise en place de vos différents projets, où que vous soyez, et que cela va vous permettre d'éviter ces erreurs et ces manquements, et que vous allez vous lancer dans l'agriculture, que dans 10 ans, on se retrouvera, dans 5 ans, on se retrouvera au top succès. Alors, disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agrofricain, depuis les montagnes de Maninguba, dans le Mungo. À très bientôt. Bye bye.